Bonsoir, papa. GSI, vous n'êtes plus habilité à mener cet interrogatoire. C'est terminé. Si nous allume, on répond, faut pas déconner non plus. Oh, 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 les gars, vous êtes où, là? Oh! C'est un gars à nous qui a tué un jeune, on va pas jouer les cow-boys! Une petite minorité qui déverse sa haine contre la police. Appelez la mairie, Roussel. On reste calme. Allez, les gars, en place! Du code de la santé publique, on travaille sur... Je t'encule, toi! Vas-y, mes notes, ils sont passées, quand même. Je me détends. Je suis là pour mon patron. Ah, c'est toi, le client mystérieux. Je lui ai rappelé certaines de ses erreurs. Ça suffit maintenant, arrête! Tu es morte, d'accord? Ça sert plus à rien d'avoir des regrets. Ça fait plus d'un an que t'es dans cet état, t'enfonçant toujours plus, refusant d'accepter la vérité. Arrête! Dis-moi la vérité! Non. Dis-moi ce qui te fait du mal! Dis-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Je vais aller rejoindre mon fils. Tu m'as demandé de m'impliquer? Alors avant de le rendre aux autorités plus ou moins compétentes, je vais m'assurer qu'il ne recommence pas. Et là tu te demandes, mais comment il va me buter? Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais tu finiras par te foutre en l'air. Non, barrez-vous de chez moi! Barrez-vous de chez moi, putain! Je fais quoi, mec? Rien à foutre, cassez-vous! Cassez-vous! Alors il m'a dit, émerveille-toi de chaque chose, de chaque instant, et tu seras heureux. T'es prêt? Je l'ai!